6-9 la matinale, matin sport. Sport. L'actualité sportive, c'est tout de suite avec Mohamed Djebbour. Mohamed, bonjour. Bonjour. Et on commence par du football. Il y a la mise à jour de la quatrième journée de Ligue 1 avec deux rencontres au programme aujourd'hui. Disons, on complète la quatrième journée, pour être précis. C'est parce que la quatrième journée avait débuté, je le rappelle, vendredi. Ça jouait samedi. Il restait deux matchs. Vous savez pourquoi les deux matchs avaient été reportés? Du fait de la participation de nos clubs, des joueurs en équipe nationale. L'USMA d'Alger avait trois joueurs en équipe nationale. Quand je dis en équipe nationale algérienne, mais également dans les sélections africaines. L'ASO Schleff également trois joueurs, dont un qui a joué contre l'Algérie. C'était contre le Togo. Alors aujourd'hui, deux matchs, c'est pour le compte de la quatrième journée, deux matchs, ASO Schleff Khanchla, Espérance de Mostaganem, USMA d'Alger. L'ASO Schleff qui occupe le bas du tableau, qui n'a que 3 points sur 4 matchs joués. Très bien. En revanche, Khanchla qui reste sur une défaite battue par le Mouloudia d'Alger sur le score d'un but à zéro. Une équipe de Khanchla qui va tenter, bien évidemment, de se relancer lors de cette rencontre. Eh bien, on va écouter Samir Zawi, l'entraîneur de l'ASO Schleff. حتم علينا اننا لازم ما نضيعش نقاط داخمي ديالنا لانه هذه المقابله متاخره راح تتعدل الترتيب لانه حنا رانا في المقابله الاخيره بثلاث نقاط واليوم في المركز السادس والسابع راهم بخمس نقاط الناس تقلقوا بزاف من مازال الحماس ديالنا سي فري اون كري كيك اوكازيون في المقابلات لكن ماهوش بالحجم الكافي لانه لما نشوف لعبنا ثلاث مقابلات خارج الديار تاعنا محتم علينا ما نقولش نقولوا بلوك با مي يكون بلوك ميديوم اللي ما يخليش الفريق يسيطر علينا ويكون عندنا ردات فعل هجوميه خنشلة مقابله راح تكون صعيبه على الفريقين نقول باللي احنا اون بليس محتوم علينا ان لازم نفوز داخل ميداننا ونفرحوا الانصار. Voilà, donc gagner à domicile, c'est une obligation. Et vous aviez dit mise à jour, vous avez entièrement raison, c'est une mise à jour. J'étais encore sur la cinquième journée. Le deuxième match mettra au prix, ça débutera à 16h, ça sera en direct sur les ondes. Deuxième match, Espérance de Mostaganem, USMA d'Alger. L'Espérance de Mostaganem, le nouveau promu, qui réalise un début, eh bien, tout à fait respectable, avec 4 points engrangés pour 4 matchs joués. Et qui, je le rappelle, a été battu par l'entente sur, moi je le dis, hein, sur une erreur d'arbitrage pour avoir vu le match et le pénalty accordé. Mais bon, l'Espérance de Mostaganem qui accueille une équipe de l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger qui, dont l'ambition c'est de jouer le podium. Donc si l'USMA d'Alger gagne aujourd'hui, l'USMA d'Alger rejoint le Mouloudia d'Alger à la première place. C'est tout l'enjeu de cette rencontre. Et l'espérance, eh bien, c'est de sortir de ce ventre mou du championnat pour se retrouver avec 7 points, tout juste derrière les premières équipes. Le championnat, on n'est qu'au début, il faut le rappeler, donc on aura le temps de voir. Et ça nous permet d'aller sur la prochaine journée, la sixième journée. La sixième journée va débuter jeudi avec le Mouloudia d'Alger qui fait un excellent début de saison, qui est sur la continuité de la saison dernière, une équipe qui occupe la première place en pleine confiance. C'est fini la Belaïli dépendance, aujourd'hui c'est une équipe qui est plus basée sur un collectif qui est bien huilé, qui affronte la surprenante formation d'Akbou. Akbou, même en perdant à l'extérieur, Akbou voyage bien, tombe avec les honneurs. Alors il sera intéressant d'assister à cette opposition entre une équipe du MCA et la formation d'Akbou. Alors, le match se jouera au stade du 5 juillet. Le stade de Douira, à Lila Pointe, étant pour le moment fermé. Alors, je rappelle, ça sera jeudi 20h30, vendredi 4 matchs. Ça débutera à 15h avec Magra, Chaebri Ali de Belouizded, CSC Entente Assistive toujours à huis clos, Jessaura Al-Bayed, ça sera à 16h, et le Parado Athletic Club qui va affronter le MCO à 19h, et ça continuera samedi avec ASO Schleff USMA d'Alger, JS Kabylie Khanchla et Espérance de Mostaganem US Biskra. En Ligue 2, amateur, on va jouer pour le compte de la 6e journée. Aujourd'hui, ça sera des matchs qu'on pourra suivre en direct sur nos ondes. Alors, pour la Ligue 2, Rouisset, surprenante formation de Rouisset. Rouisset qui se déplace à Al-Harach. Et ça, c'est le choc de ce groupe centre-est. Al-Harach invaincu. Al-Harach qui va psychologiquement vouloir passer devant Rouisset à la première place. Et je rappelle qu'Al-Harach compte un match de retard qui est programmé le 5 novembre prochain. Ça sera contre l'équipe de Annaba. Les deux ont un match de retard. Voilà donc pour cette confrontation.
Pour le reste, le MOC de Constantine affronte Borj Menayel. Annaba également dans l'ambition est de revenir dans le championnat de Ligue 1 ou d'accéder à Franck Clermat. Chewia se déplace à Khmis al-Khashna. Itihad Riyadi Baladi et Tuwargla affronte l'AS Kharoub. Mouloudia de Batna, Magran. Cherroum Al-Aïd face à Djigel. El Harrach, Louis 7 pour le groupe Centre-Ouest. La journée est coupée sur deux jours, se déroulera sur deux jours. Tout d'abord, Ben Aknoun, le leader, lui se déplace à Mechriya, qui occupe le bas du tableau. Temouchent Bechargedid, Tiaret Azmodohan, le Nez du Sindé affronte Kolea et Mascara sera opposé à l'Alba. Demain, le reste du programme avec Kouba Wetzli, Mostaganem Saïda, El Bihar, Khmis Meliana. Voilà pour l'essentiel concernant la Ligue 2. Je rappelle qu'aujourd'hui, la sélection nationale prépare la CAN 2025 et elle affrontera le Nigeria en amical le 26 et le 29 octobre. Et en perspective de ces deux rencontres, l'entraîneur national, M. Bensiti, a convoqué 22 joueuses. On remarque la présence de 4 joueuses locales, 3 d'Akbou, Alouash Wassila, Teknin Kahina et Bahari Ikram, alors que la quatrième joueuse est Lounès Lemia de l'AS, de l'association sportive d'Alger Centre. Et d'ailleurs, il y a une zone mixte qui est prévue pour la circonstance. On passe à une autre discipline, la boxe. L'Algérie ne participera pas au championnat d'Afrique qui se déroule en République démocratique du Congo. La raison est toute simple. C'est une décision, et c'est bien de rester droit dans ses bottes, de ne pas bouger d'un iota sur des positions de principe. Décision prise par rapport à la position de la, par rapport à ce qu'avait décidé la Fédération algérienne de boxe, rappelez-vous, par rapport à l'IBA, puisqu'elle ne reconnaît plus cette structure depuis l'épisode Imane Khalif lors des Jeux Olympiques qui s'est déroulé à Paris. Les explications avec le président de la Fédération algérienne de boxe, Monsieur Youssef Khalifi. C'est clair, dans non-participation lors de ce championnat d'Afrique qui est organisé par l'IBA, elle est due au fait que la Fédération algérienne de boxe n'est plus affiliée à l'IBA. On est affilié à la World Boxing. Le championnat d'Afrique, il est organisé par l'IBA. Là, on n'est plus affilié avec eux. Ça veut dire qu'on ne peut pas participer dans une compétition où on n'est pas affilié à l'organisation organisatrice. La World Boxing, déjà, l'organisation du championnat du monde à partir du 24 juillet, dépasse à mercredi. Il y a un championnat du monde junior qui va être organisé par la World Boxing au Colorado. Et maintenant, on est censé participer. La décision a été prise pour le championnat du monde senior, garçons et filles. Je pense que ce sera au mois de mars 2025, Liverpool. Et dorénavant, on va participer à la compétition internationale sur les de la World Boxing. Voilà, donc concernant la boxe. Et puis, on va parler de handball. Le handball, il y a un match aujourd'hui qui mettra aux prises l'Algérie au Sénégal, ou plutôt demain, l'Algérie au Sénégal. Ça se déroulera à 16h et il y aura un deuxième match le 25 octobre à 15h à la salle Hacha. On ne sait pas si c'est ouvert au public ou pas. Déjà, c'est bien qu'il y ait deux rencontres, mais personne n'en parle, si ce n'est la chaîne 3. Il faut savoir également qu'il y a un nouvel entraîneur qui va prendre l'équipe nationale de hand. C'est Yassine Bouakès qui est arrivé hier à Alger. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que les Sénégalais sont entraînés par un franco-algérien, Yassine Mesoudi, qui est aussi l'entraîneur du club de Paris, ici, en D1 française. Yassine Bouakès, lui, était formé à Montpellier, a joué dans plusieurs clubs en France et aussi en Allemagne. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations en 2008 en Angola, au Mondial 2009 et au Mondial 2013. Et plusieurs joueuses évoluées en France sont arrivées hier. D'autres devraient arriver aujourd'hui. Elles sont, en principe, c'est 9 joueuses qui devraient arriver. On va parler de Champions League et de belles affiches attendues pour aujourd'hui. Hein. Bien évidemment, si vous aimez le football, la Champions League avec Real Madrid, Borussia Dortmund, c'est une superbe affiche, mais ça débutera dès 17h45. Il y aura l'AS Monaco, l'étoile rouge de Belgrade. Monaco doit gagner. Monaco invaincu depuis l'entame de la saison face à une équipe de l'étoile rouge qui n'a pris qu'un seul point et qui se retrouve tout simplement éliminé de la compétition. Mais le parcours est encore long. L'étoile rouge doit gagner aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Puis à l'AC Milan, club de Bruges, 17h45. Un peu plus tard, on retiendra notamment cette belle opposition entre la Juve de Thiago Motta et Stuttgart. Stuttgart qui a fait une belle impression lors de sa dernière rencontre contre Barcelone. Le PSG affrontera le PSV Eindhoven. À retenir également Arsenal, Shakhtar Donetsk, Aston Villa, Bologne et Gérone qui sera opposé au Slavia Bratislava. Voilà, ça débute aujourd'hui et ça se termine demain, la Champions League, avec une nouvelle journée sur le nouveau modèle de la Champions League
européenne. C'est ce qu'on doit retenir dès la journée d'aujourd'hui. Bien évidemment, dès 20h, si vous aimez le foot, restez face, suivez les matchs à travers votre écran télé. N'hésitez pas. Merci, Mme Boll, pour l'essentiel de l'actualité sportive.